Ah, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16. La marche, je vous la propose comme un mouvement spécifique humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seuls les humains, dans ma dénomination, humain, c'est pour dire homme-femme. C'est le mouvement spécifique humain parce que nous sommes les seuls à marcher de façon bipède permanente. Certains pourraient lever le doigt en disant oui, les chimpanzés, les machins, les marchent. Oui, de façon temporaire. Ils peuvent le faire. Mais si on leur demande, ce qu'ils préfèrent, c'est marcher à quatre pattes. Une succession de déséquilibres consciemment gérés dans un plan sagittal antérieur qui alterne les appuis dits en chaîne fermée et les phases oscillantes dites en chaîne ouverte, ou par exemple par rapport au genou, vous voyez que quand on est en chaîne fermée, ça va être un mouvement fémoro-tibial, alors qu'en chaîne ouverte, ça va être un mouvement tibio-fémoral. Vous voyez qu'on va mêler des termes biomécaniques et qui fait qu'un novice qui écouterait ce topo pourrait se dire « Ouh, c'est un peu compliqué ». Vous, vous ne direz pas « Ouh, c'est un peu compliqué », vous direz « C'est drôlement intéressant ». Mais surtout, vous avez les notions pour comprendre les termes. Et c'est pour ça que ça dure. C'est quoi la marche? Un mouvement volontaire, d'accord? Donc conscient, c'est synonyme, un mouvement volontaire, conscient, humain, spécifique, qui alterne les phases d'appui et d'oscillation dans un plan sagittal antérieur, autorisant un déséquilibre conféré par le poids que je projette en avant de la base de sustentation, de sorte à utiliser la marche grâce à mon poids et non pas mes muscles, pour garder mes muscles qui gèrent la possibilité d'accélérer ou de ralentir en fonction de la situation qui se prête à moi. D'accord? Donc vous voyez, base de sustentation, projection du sang. Quand j'ose me laisser déséquilibrer en avant, vous avez compris, je bouge tout seul et c'est facile. Si j'ai peur de ce déséquilibre, je reste en équilibre stable et je marche de façon musculaire puisque je veux garder ma stabilité. J'ose me déséquilibrer en me laissant tomber en avant, je sais que j'ai les muscles parce que mon indice de masse corporelle et mon tonus musculaire est supérieur à ma force générée par le poids. Mes muscles fessiers, quadriceps, ischio-triceps sont là pour dire « je suis plus fort que ton poids, donc n'aie pas peur, laisse-toi déséquilibrer, nous on est là pour contrôler ». C'est pour ça que c'est une suite de déséquilibres antérieurs dans un plan sagittal contrôlé par les muscles. Et c'est pour ça qu'une personne en surpoids ou en obésité, ou une personne qui est amyotrophiée ou qui n'a pas de muscles assez forts, aura du mal à marcher et accepter ce déséquilibre antérieur. Il va marcher en utilisant ses muscles. Qu'est-ce qui se passe quand on utilise ses muscles? Ça coûte de l'énergie, de l'ATP, du glucose, donc c'est fatigant. Donc plus je fais des efforts pour marcher, plus c'est fatigant, pléonasme. Mais ça veut dire que si j'ai peur de marcher, et si je ne fais pas confiance à mon déséquilibre, je vais marcher en dépensant plus d'énergie, donc je marche moins bien. Analogie ou image, la personne âgée a peur des fois de tomber. En ayant peur de tomber, elle marche plus droite. En marchant plus droite, c'est plus difficile et plus fatigant de marcher. Donc elle marche moins, puisque c'est fatigant. Et là démarre ce que vous avez connu quand on a entendu, il y a 20 ans, fracture du col fémoral chez une personne âgée. Ça voulait dire, mesdames et messieurs, synonyme de début de potentielle mort. Parce que je ne me remettrai pas dans la situation de pouvoir marcher. Aliter 3 mois le temps de cicatriser, aliter 3 mois le temps de récupérer, ça veut dire quoi? J'ai une amyotrophie de mes quadriceps. Et qu'est-ce qui se passe? Amyotrophie, je marche moins bien. Et vous avez tous entendu cette histoire. Donc vous voyez comment cette marche est un mouvement spécifique de l'être humain. Aucun autre être biologique ne marche. Donc elle en fait le facteur d'analyse premier. Est-ce que tu peux me dire si je suis en forme? Est-ce que je peux faire un bilan de santé? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Est-ce que tu peux me dire si je suis humain comme un humain? Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? La marche. Si tu analyses la marche, tu analyses comment fonctionne l'être humain. Tu analyses pas son esthétique, sa morphologie, tu analyses comment fonctionne. Et ce que l'on veut, nous, physiologistes, c'est voir comment fonctionne l'être humain. Donc l'analyse de la marche est primordiale. Primordiale. Comment l'analyser? Eh bien, en ayant la
Modélisation de la marche, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, une succession de pas qui font des foulées, vous vous rappelez? On démarre la marche en appui bipodal, pied aligné. On va démarcher, on va commencer la marche par un demi-pas intérieur du côté du membre directeur, suivi d'un pas complet de l'autre côté, par exemple gauche, en disant complet parce que demi-pas postérieur gauche plus demi-pas antérieur gauche. Et ensuite, c'est une succession de pas, droit, pas gauche, pas droit, pas gauche, qui s'arrête par un demi-pas postérieur qui ramène les pieds en appui bipodal horizontaux alignés. Et qu'est-ce qui caractérise la marche? C'est qu'il y a toujours une partie de mon corps, donc les pieds, qui sont en appui. J'ai toujours un appui au sol lorsque je marche. Qu'est-ce qui changera quand je passe en course? Il y a un temps où je n'ai plus d'appui au sol. Et le sprint, étudié chez les grands athlètes, ira jusqu'à 80% du temps en l'air. Un sprinteur n'a que 20% de temps au sol. Et on avait pris l'anecdote des marcheurs olympiques, notre grand champion Johan Diniz, que vous verrez marcher avec un... Il se dandine, il marche à 20 km/h. Je vous avais dit qu'on n'est même pas capable, nous, peut-être, de courir à 20 km/h. Eh bien, vous verrez qu'il y a toujours une phase d'appui. Et vous allez comprendre cette biomécanique dont on va parler. Plus je marche vite et plus j'ai besoin d'appui, plus je vais avoir besoin d'une giration pelvienne. Pas d'une rotation, d'une giration pelvienne. Et du coup, quand vous les voyez marcher, vous les voyez faire un mouvement, je ne sais même pas le faire, mais vous les voyez se dandiner. Enfin, il y a un mouvement de bassin qui est... vous dites c'est exagéré, mais ça leur permet de marcher à 20 km. Donc cette marche, vous entendez que c'est quelque chose de spécifique. C'est quelque chose qui met du temps. Je vous avais parlé du girafon qui tombe, qui naît, qui marche. Ben, le nouveau-né, bon, d'abord, il ne tombe pas, ça serait souhaitable. La sage-femme est là pour l'accueillir. Le mailloticien, la mailloticienne. Il est souhaitable dans les abacs qu'on dise qu'un enfant doit marcher avant ses 2 ans. Mais ce n'est pas une marche qui est finie. Il commence à marcher. Et vous savez comment ça se passe. Il se met debout. Il se met debout avec la table basse, le canapé, avec les objets. Et puis, il tente cette marche un peu gauche que j'avais caricaturée un petit peu. On a l'impression que la couche est pleine et qu'il va d'une jambe à l'autre. Et puis, il va acquérir le sagittal. Pourquoi au début, il commence par le frontal? Parce que le frontal, on est stable. Et plus on écarte les jambes, plus on est stable. Plus je resserre les jambes, moi, je suis stable. Donc, on marche avec stabilité. Parce que l'enfant, il a peur de tomber aussi. Donc, il marche comme ce que j'avais dit d'une personne âgée qui a peur de tomber. Il marche en état d'équilibre stable. Comment pourrait marcher un enfant? On pourrait imaginer qu'il pourrait préférer faire ça. Faire sauter en gardant l'équilibre stable. Parce que je suis sûr de ma stabilité. Et qu'est-ce qu'il va falloir que j'apprenne pendant 2 ans? C'est me laisser déséquilibrer parce que je sais que je peux me rattraper. En fait, qu'est-ce qu'il apprend l'enfant? Il apprend la confiance en soi. Je vous assure qu'il y a des gens qui ne marchent pas ou qui marchent mal parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et je vous atteste anthropologiquement, psychologiquement, que quelqu'un qui ne marche pas peut avoir des corollaires psychologiques de dire « j'ai pas confiance en moi ». Ne faites pas le raccourci. « J'ai pas confiance en moi, je marche mal ». Non, 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 non. Mais si je marche mal, j'ai quelque chose. Voilà ma proposition du jour. Cliniquement, un humain qui marche est un humain qui fonctionne. Deux, cliniquement, trois, un humain qui quatre, ne marche pas cinq, six, a potentiellement une pathologie sept, à venir ou sous-jacente huit, que je neuf, qualifie avec un facteur de risque de 50%. 11. Vous voyez, un humain qui vous dit « je ne marche pas ». Entendez ma proposition. 16. Certes, on est dans la physiologie. Je vous rappelle que c'est un cours de biomécanique. Je ne parle pas des personnes qui sont alitées, qui ont une pathologie. Je parle de physiologie. Je n'ai pas de comorbidité. J'ai juste l'idée de « je ne marche pas ». Entendez bien la phrase suivante. Parce que j'ai pas envie. J'aime pas. Vous allez dire, c'est des facteurs psychologiques, humains. Ça traduit quelque chose. Si j'aime pas marcher, ou si je marche pas, ou si pour aller chercher mon courrier, je prends une trottinette, un vélo, une voiture, il prenait sa voiture pour aller chercher son courrier. Pourquoi? Parce qu'il avait un souci de jambes. Entendez que si je ne marche pas, que ça soit conscient ou inconscient, j'ai quelque chose qui est en train de se développer. Non, mais c'est juste que j'aime pas marcher, je préfère prendre... J'aime beaucoup ma voiture. Arrêtons. C'est du leurre. Si je ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que je suis pas à
100%. Ben, la clinique, elle démarre là. Donc, ma proposition, analysons la marche. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, en ajoutant la partie anatomique et biomécanique très, très, très compliquée. Je risque d'éternuer. J'y pense plus. Et on se rappelle que je vous avais dit que la marche marche, la mort marche à 2,3 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? 4. Non seulement on doit marcher, mais on doit avoir une certaine vitesse de marche. Entendez par vitesse de marche une vitalité. 2,3 km/h. La mort. Si vous marchez à moins de 2,3 km/h, la mort vous rattrape. 1, 2. Mais si tu veux pas qu'elle te rattrape, 4. Bah marche plus vite. 6. Si tu veux pas que quelqu'un te rattrape, marche plus vite. 8. Tu marches plus 9, vite, la mort te rattrape 10, pas. Oui, mesdames et messieurs, j'affirme que dans un EHPAD, dans des... faire marcher les gens pour qu'ils conservent une vitalité quadricipitale, qui est le muscle de la marche dont nous parlerons, garder une vitesse de psoas, qui est le muscle du pas dont nous avons déjà parlé, est une condition d'être en pleine forme. D'être dans un vieillissement réussi. De mourir le plus tard possible si on a des choses à vivre. Et si on n'a rien à vivre ? Je suis tout seul dans cette EHPAD. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller marcher ? Qu'est-ce que ça traduit ? Mais j'ai plus envie de vivre. C'est tout. C'est dur. Mais c'est vrai. C'est un postulat de départ, c'est une proposition réflexive que je vous donne. Mais entendez ça. Les gens à motiver chez eux. Bah, allez chercher le pain. À quoi ça sert? On me l'amène. Allez chercher votre repas. Bah, je suis livré. Votre ménage. J'ai une assistante qui vient. Même faire son ménage. Passer l'aspirateur. Oh, c'est chiant, j'ai horreur de ça. Mais balayer, passer l'aspirateur. C'est une activité physique. Et puis regardez, ça se verra pas à l'audio, mais passer son balai, vous mettez le balai en avant, ça fait une canne. Si vous avez peur de tomber, bah, vous êtes en déséquilibre antérieur. Ça marche. Bon, vous faites des lignes dans votre appartement, hein. Mais tout est bon. Et arrêtons cette idée de faire du sport. Mais c'est pas ça le truc. C'est faire une activité physique. Alors il y a des personnes qui ont envie de changer de maison. Pourquoi c'est ces personnes âgées qui ont ce déchirement total d'avoir la maison de famille, mais qui est truffée de marches et de demi-étages et de petits escaliers, qui fait que les escaliers sont une source de chute, surtout quand on les descend. On ne tombe pas dans un escalier quand on monte. On tombe dans un escalier quand on les descend, avec des risques majeurs de chute importants. Certaines personnes âgées, vieillissantes, des fois ont le besoin de passer sur des appartements ou des maisons dites de plein pied. Ben, dans mon escalier, il n'y a pas de rampe, je mets une rampe, une corde. Juste un truc pour me rassurer et pour continuer à me faire confiance. Je sais que mes muscles ne fonctionnent plus trop bien. Si j'ai une corde ou une rampe, je sais qu'au cas où, me rattraper. Ces escaliers qui ont deux murs, eh ben une rampe de chaque côté. Et je les monte avec sécurité. C'est ça qui compte. Marcher avec un déambulateur, ok. Marcher avec une canne, ok. C'est plus facile de marcher avec deux cannes qu'une seule. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une fracture de la jambe avec un plâtre. Une seule béquille, c'est difficile, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut poser. Mais avec deux, vous jouez soit le bilatéral, genre ski de fond, skating, soit l'unilatéral, c'est-à-dire que vous alternez. Si demain on a des chaussures intelligentes qui ont des semelles avec des capteurs qui, quand vous sentez comme une plateforme de proprioception ou de stabilométrie, sentent quand vous partez trop en avant, ça se gonfle, ça vous ramène en arrière. Mais c'est loin d'être compliqué à faire. Vous avez votre application, votre truc, vous savez que vos chaussures vont corriger vos pas. Mais voilà quel bel outil. J'ose. Mais bien sûr. Mais attends, mais si vous arrivez à avec une intelligence commune à poser le brevet d'une semelle anti-chute qui soit capable de mettre l'appui là où il y a besoin pour toujours maintenir le sujet dans un état, vous dites dans votre programme, je suis quoi, debout statique ou debout en marche lente ou debout en marche rapide. Ça vous met un drop, un talon, un avant-pied qui corrige à chaque fois. C'est loin d'être compliqué à mettre en place. Mais c'est ce qu'on fait déjà un petit peu avec les semelles. Oui, mais les semelles, elles ont un côté permanent. Les semelles, elles ne sont pas à géométrie variable. Oui, mais... Elles sont peut-être à mémoire de forme, mais elles ne sont pas à géométrie variable. Imaginez la semelle de demain à géométrie variable. Vous la mettez, elle se conforme à votre pied et elle se modifie en fonction de votre activité, sans même que vous ayez à dire « je marche vite, je marche lentement ». Je suis statique, qu'est-ce qu'elle fait ma semelle? Elle analyse, oh, il est trop en avant, chut. Voilà. C'est pas beau, ça? Je suis bien. Une semelle sur terrain.
Je décide de marcher, le drop se met, le talon avance un tout petit peu et je marche en avant. Je décide de courir, le talon grossit, ça me met un drop un peu plus important, je suis en cycle antérieur. Mais c'est super. Donc cette marche, elle est primordiale. Oh, on a touché. Oh, 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 oh.